Bonsoir et Okay, bienvenue amis supporters de l'Epic Lyonnais, c'est OL TV que vous regardez. Nous sommes également disponibles, je vous le rappelle, sur YouTube et OL TV. C'est gratos durant le confinement. Chaque soir à 17h30, nous recevons une personnalité du club ou en tout cas quelqu'un qui représente le football en France ou en Europe. Et là, ce soir, on va faire une part belle au football féminin puisque c'est Wendy qui vient nous rejoindre. Wendy Renard, bonsoir Wendy et merci beaucoup d'avoir ça accepté l'invitation. va? Ça Ça va se passe très bien bien, pour Wendy. Je te remercie. On va te poser la question que tout le monde pose à tout le monde en ce moment. Comment se passe le confinement? Franchement, ça se passe bien, honnêtement bien. Après, je suis quelqu'un de casanier en temps normal, donc ça me dérange pas de rester à la maison. C'est un peu compliqué quand on a besoin de sortir, mais dans l'ensemble, franchement, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur? C'est psychologiquement, physiquement? Bah, le plus dur, c'est de pas se rendre au club et pour aller jouer avec les coéquipières et tout simplement s'entraîner ensemble. C'est ça qui est le plus dur, en tout cas pour moi. Mais après, on a un beau programme qui a été effectué par le préparateur physique. Donc, le club et le staff, ils se sont bien débrouillés pour nous passer un vélo et du matos pour pouvoir travailler. Donc on est bien sur ce plan-là, on a un programme, on suit et on est plutôt bien, mais c'est chiant en fait, on se rend pas à l'entraînement, on voit pas, voilà, le quotidien, le vestiaire, les C'est choses ça. simples, mais on se rend compte que la liberté dans ce moment-là, c'est quelque chose d'unique, quoi. Comme tu peux l'imaginer, on va parler un peu de football féminin. J'avais eu une conversation avec toi il y a quelques mois à peine, Bien. où je t'avais senti, allez, inquiète. C'est pas le mot, mais tu n'étais pas très optimiste quant à la suite des événements et l'embellie que pourrait continuer d'avoir le football féminin. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as le sentiment que le foot féminin n'a pas encore gagné, on va dire. Non, pour moi, je pense qu'on est encore, je vais dire dans une charnière, encore plus avec cette période. Il y a des décisions, je pense, à prendre en ce moment pour pouvoir améliorer et surtout avoir une vision plus générale de développement. Parce que quand on voit des pays comme l'Angleterre, l'Espagne, même l'Italie, ce sont des pays qui je parle en termes de championnat qui avait beaucoup de retard et aujourd'hui qui sont en train de franchir beaucoup d'échelons et je pense que ouais, notre quotidien c'est le championnat et tout le temps qu'on va pas réussir à avoir une belle notoriété, voilà, un championnat assez homogène pour tout le monde et surtout un championnat tout simplement pro, ça va être compliqué. Et moi, il faut qu'on aille dans ce sens pour pouvoir s'améliorer. On a la chance, en tout cas, d'être à l'OL et de travailler au quotidien et d'être professionnel. Mais c'est pas le cas de toutes les équipes. Donc, sur un match, ça peut passer, mais pour pouvoir espérer être compétitrice tous les week-ends, c'est compliqué. Donc, oui, mon interrogation, elle était sur ça et c'est pour Qu'est-ce ça. qui manque? Qu'est-ce qui manque au football français féminin pour franchir un cap? Bah écoute, il manque déjà un championnat encore plus homogène, plus de moyens pour les clubs, parce qu'il y a encore des clubs aujourd'hui qui se déplacent tout le week-end en bus, qui font des heures et des heures. Moi, je pense que c'est faisable sous une période. Je dis pas le contraire. Il y a des clubs qui le font même au niveau des garçons, c'est faisable. Mais je pense que quand on est professionnel, à un moment donné, notre corps, c'est notre outil de travail et il faut le préserver au maximum. Et moi, je pense que ouais, il nous manque ça. Il nous manque encore plus de visibilité, de moyens pour la D1. Et après, forcément, ça va permettre aux partenaires et tout de pouvoir venir dans les différents clubs. Et les doigts élevés, forcément, tout va augmenter et ça va être encore plus intéressant pour tout le monde. Ça m'intéresse ce que tu viens de me dire parce que je vais profiter du rebond de ta réponse. Tu as dit qu'il faudrait un championnat plus homogène et T'entends un plus. peu doucement. Pardon? Voilà, voilà, je t'entendais doucement. Alors Pardon. je vais te parler comme ça va là, comme ça. Si je te parle comme ça, est-ce que ça te convient? Très bien, ça Je vais me m'approcher un petit peu, ma chérie. Je disais, tu parlais justement d'un championnat français plus homogène, c'est-à-dire, pour la faire courte, avec des équipes un peu plus fortes. Et que l'Olympique Lyonnais n'écrase pas systématiquement
allez, avec peut-être le Paris Saint-Germain, Montpellier, selon les années, bon, bref. Mmh. Et justement, Corinne Diacre t'a reproché un jour, lorsqu'elle t'enlève le brassard, et ça a été un passage de ta vie compliqué, difficile, tu l'as mal vécu, tu l'as dit d'ailleurs dans ton autobiographie, Mon Étoile. Elle te reproche finalement d'être à l'Olympique lyonnais, de survoler un peu le championnat, et te dit, voilà, là c'est la Coupe du Monde, c'est plus la même, il faut que tu élèves ton niveau, etc. Ça, elle te reproche finalement un truc que tu n'as pas fabriqué. Bah, tu viens de le dire en fait. Moi, j'ai eu la chance quand je suis arrivée, quand j'étais recalée de Clairefontaine, d'arriver dans un club qui m'a tendu la main. Et ce club, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un président qui a cru avant les autres, sans oublier Loulou Nicolin, paix à son âme, mais d'avoir cru, d'avoir investi et de nous avoir donné surtout les moyens en fait. Donc parce que moi quand je suis arrivée à l'OL, c'était la même chose qu'aujourd'hui, peut-être que des clubs aujourd'hui de entre guillemets avec beaucoup de respect de bas de tableau bah, vivent en fait. C'était pas structuré, on n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de vestiaire, on avait donc petit à petit on a su gagner, on a gagné, on a su demander certaines choses pour pouvoir structurer notre section et surtout être tout simplement pro pour pouvoir progresser sur le terrain en fait. Parce qu'avant tout c'est moi ce qui m'intéresse c'est le terrain et la base. Si t'as pas des infrastructures qui te le permettent, tu peux pas. Un bon terrain, des équipements, des ballons, une Bien sûr. bonne structure, tout ça, pour moi, ça fait partie. Donc aujourd'hui, oui, 10 ans après, même 13 ans après, on a une section féminine qui progresse, qui s'est structurée et encore une fois, on a su recruter aussi des bonnes joueuses parce que à l'époque, c'était pas ça non plus et petit à petit, Mais bah, pour plus tu revenir avances. au discours de Corinne Diacre, quand elle te dit voilà, t'es pas à l'OL, tu vas pas survoler les matchs, vous n'avez pas gagné avec plusieurs buts d'écart. Elle te reproche ça un petit peu parce que selon elle, tu ne fais pas les efforts nécessaires pour te mettre au niveau. C'est ça le message qu'elle veut te passer en te J'ai retirant le pas compris brassard. On le a eu début. l'occasion. Tu peux répéter le début quand tu Alors, me dis? pas de problème. Je disais, est-ce que selon toi, elle te retire le brassard sous prétexte que tu te mets pas au niveau parce que tu te sens trop, toi, encore. Genre, je joue la Ligue 1, quoi, tu vois? Ça, je peux pas me mettre dans sa tête, en fait. C'est elle seule qui aujourd'hui peut dire pourquoi réellement elle a fait, en fait. Après, moi, je te l'ai déjà dit lors de notre dernière interview. Aujourd'hui, je suis à l'Olympique Lyonnais. D'année en année, je progresse. J'ai progressé auprès de très grandes joueuses et encore aujourd'hui, il y a de très grandes joueuses à l'Olympique Lyonnais, voire les meilleures. Je travaille en fait tous les jours. Je suis quelqu'un et je me remets en question. Je suis jamais assise sur mes lauriers parce que je suis jamais satisfaite en fait. Donc, les critiques en font partie, mais après, il faut être simple, logique, et après, il faut, comme je viens de dire, un championnat aussi beaucoup plus homogène. Nous, c'est ce qu'on demande aussi, nous, les joueuses depuis plusieurs années à l'Olympique Lyonnais, mais c'est pas de notre faute, c'est pas nous de descendre, en fait. C'est aux autres équipes de pouvoir progresser, de monter, C'est pour vrai. avoir un bon championnat. Donc, ça, on le dit, et je le dis depuis, des années, c'est ce qu'on a fait, on doit qu'à nous et à toutes les joueuses qui sont passées à l'Olympique Lyonnais, tous les coachs, tous les formateurs, au président, parce que c'est lui qui a décidé d'investir et aujourd'hui, voilà, tout ce qu'il a semé, ben, il récolte petit à petit de par les trophées, de par une régularité, parce que c'est pas simple de rester au plus haut niveau et surtout de gagner des titres, même si tout le monde dit c'est facile. Moi, je dis, il n'y a rien de facile dans le football et encore plus ben, quand tu es sous le rectangle vert, donc tu dois faire les efforts et ainsi de suite en fait. Les buts, tu dois les mettre. Donc après, ouais, c'est comme ça, c'est moi. 04 84 80 69 deux fois. Le numéro de téléphone ne change pas. Le lien entre les supporters et l'Olympique lyonnais continue plus que jamais pendant le confinement, après le confinement, tout le temps. On est là pour vous, les supporters. Et tant mieux, ça nous remplit de joie et d'orgueil. On va recevoir Luigi qui a composé ce numéro de téléphone pour te poser une question. Bonsoir Luigi et bienvenue à toi.
Bonjour. Bonjour Bonsoir. Wendy. Bonsoir. Moi, je me disais, est-ce que quand tu étais petite, tu as toujours voulu jouer défenseuse ou tu as voulu jouer attaquant, marquer des buts et tout? Ah, c'est une bonne question. Non, c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer au foot, bah, quand tu es petit ou petite, t'as pas vraiment de poste défini à tout jeune. Mais c'est vrai que moi, dès que j'ai commencé, j'ai toujours eu cette préférence de ne pas encaisser de but, en fait. C'était en moi. C'est Et bizarre parce que quand on est jeune, on a envie de marquer des buts, on a envie d'être avoir un leadership tout de suite, ouais. quoi, d'être la star. Et la star, c'est celui qui marque des buts, c'est Non, rarement celui qui empêche de les mettre. moi j'ai toujours eu cette préférence bah ouais, de me mettre devant le but et de pas encaisser en fait. Et c'est vrai que par moment, quand il y avait des goals volants, ben, j'y allais souvent. J'aimais bien. Et après, ouais, ça c'était quand on était avec ben, mes copains de la cité, de la commune. Donc, non, c'était bien. Après, avec les filles, vu que le niveau il n'était pas trop développé, plutôt vers les 13-14 ans, je jouais plutôt en attaque parce que j'avais déjà une certaine avance parce que j'ai commencé avec les garçons. Et au niveau des initiatives, de la vitesse, j'avais déjà une certaine avance par rapport aux filles, au développement du football martiniquais à l'époque. Donc, c'était un peu plus facile pour moi. Donc, j'ai évolué en attaque. Mais après, j'ai toujours aimé marquer des buts, mais surtout ne pas en prendre, Voilà Luigi, merci beaucoup pour ta question, mon fait. vieux. Salut! Salut Luigi. 04 84 80 69 deux fois. Un petit tease hein, pour demain. Demain, nous recevrons ici, à la même heure, Karim Benzema. Je ne sais pas si vous vous rendez Boss. compte de l'événement. C'est demain soir sur l'antenne d'OLTV. On va revenir un petit peu à des moments encore un petit peu épineux. Je me souviens Ouais. de ce fameux match face à la Norvège. En juin 2019, si je ne dis pas de Ouais. bêtises, là c'est la boulette. Face à la Norvège. C'était pas la Norvège, je dis une bêtise? Ah, tu me parles de la Coupe du Monde. Le Ouais. but marqué contre mon camp. C'est ça, parce que tu as dit que tu avais Ouais, vite c'était le zappé PSG. cette information, Ouais. mais qu'en même temps, comment dire, ça reste quelque chose que c'est pas, c'est quelque chose que tu as en toi et tu avais honte, tu as dit, même dans une C'est vrai, c'est interview. la honte. Ouais. C'est toujours en fait, c'est la honte. Même si j'aurais gagné la Coupe du Monde, c'est quand même la honte en fait. Parce Arrive. que oui, bien sûr, ça arrive, mais ça démontre bah, qu'un geste n'est pas simple en fait. Ça, c'est des trucs que tu fais à l'entraînement, c'est des gestes que je répète tout le temps. Et aujourd'hui, ce jour-là, il a décidé de rentrer. Après, je sais quand même un peu pourquoi. Mais je veux pas le dire parce que ça va, voilà, ça va pas polémiquer, mais ça va me dire que je cherche des excuses. Donc c'est pour ça que je l'assume entièrement. Et ouais, ça a été une période pas facile. Mais encore une fois, heureusement, on a gagné, Dieu merci. Mais ouais, ça te permet encore plus Mais t'as eu bah, honte, vraiment. ouais, j'ai eu honte, quoi. Au moment, je voulais quitter le terrain, non? J'ai honte. Tu dis, en fait, tu te sens seul au monde et tu dis, c'est pas possible, en fait. Tu dis, mais non, tu rêves, en fait. Tu dis, c'est pas possible. Tu peux pas en faire ça, en fait. Après, tu vois la réaction de tes coéquipiers sur le terrain, où ça te regarde, où c'est limite, c'est dans l'incompréhension, en fait. Surtout venant de moi, en fait. Mais après, comme je t'ai dit, ça arrive et malheureusement, ça m'est arrivé. Et c'est comme ça C'est fait comme partie ça. maintenant de ma carrière et voilà, la vie a continué. Tu as dit également que tu trouvais beaucoup de ressemblances avec Alex Lacazette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Ça Ouais, m'intéresse. parce qu'on a un peu. C'est vrai qu'on s'entend bien. Depuis l'école, on s'est connus et après, on s'est pas lâchés. On n'est pas amis pour dire tous les jours on s'appelle et tout, etc. Mais on s'entend très bien et on a de la ressemblance parce que déjà on vient des îles et on est un peu apaisé, tranquille, zen, sûr aussi bah, de notre potentiel, de ce qu'on est capable de faire parce qu'il a un parcours pas facile, le mien aussi.
Il a eu son contrat très tard à l'OL. Il a dû travailler fort, dur, toujours en silence. Et aujourd'hui, ben, quoi qu'on en dise, déjà l'OL, il a explosé. Après, il est parti à Arsenal, c'était compliqué. Aujourd'hui, ben, il s'impose encore et on a de la ressemblance parce que voilà, on est zen, on est tranquille, on aime bien rigoler, chambrer et surtout au niveau du caractère, on lâche pas donc et c'est Est-ce quelqu'un que tu que te trouves véritablement zen, Wendy, pour être honnête? Parce que j'ai l'impression que, bien sûr que tu dégages un truc de sérénité comme ça. On ne se connaît pas très bien, on s'est vu plein de fois, mais on ne se connaît pas bien. Tu dégages un truc un peu de sérénité qui est là. Mais à côté de ça, j'ai cru déceler un peu une cocotte minute aussi à l'intérieur. Est-ce que je fais fausse route? Ben, ça dépend en fait. Si tu me cherches, oui, forcément. Non, ça dépend en fait. Il y a des choses chez moi où ben, j'ai envie de dire, on touche pas en fait. C'est des trucs qui. Ça fait partie de ta vie en fait. Chaque personne a son vécu, chaque personne a eu son éducation. Mais ouais, moi, non, d'une manière générale, je suis quelqu'un d'assez zen, d'assez tranquille. Après, j'aime pas l'injustice, peu importe. Peu importe où ça me concerne ou ça me concerne pas, j'aime pas l'injustice et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent me mettre hors de moi en fait. Après ma famille, ouais, on touche pas. C'est Alors, ça. tu parlais de ta personnalité, etc. Tu n'aimes pas l'injustice. Pourtant, une injustice, tu en as vécu une énorme, puisque tu perds ton papa. Non. Tu es petite, tu as quoi, 8-9 ans, je dis des bêtises, un petit peu moins. Non, à 8 ans. Donc, ton papa fait de la politique, si j'ai bien compris. Et lors d'un meeting, il respire quelque chose d'assez curieux. Et en 15 jours, ça l'emporte et tu le perds. C'est ça? Ben, 15 jours, non. Il s'est d'abord un peu soigné, il a pris ça un peu à la légère. Et après, ben, en fait, sur le coup, parce que t'as, enfin, moi, j'étais assez petite, mais je me rappelle parce que sur le coup, en fait, il prenait des médicaments seul, il se soignait seul, il voulait pas, parce que mon papa, il aimait pas trop les médecins. Les docteurs, etc. Donc, il se soignait tout seul. Il s'est dit que ça allait passer. Mais sur le coup, il a ressenti une grosse douleur au niveau des poumons, en fait. Et c'est vrai que même ma mère, pour elle, elle pensait que ça, voilà, ça allait passer. Après, comme on dit chez nous, c'est pas le même jour que tu manges la terre que ton ventre grossit. Donc, tu vois, c'est pas le même jour que tu as respiré le truc que tu es malade le lendemain, en fait. Donc, quelques semaines, quelques mois après, voilà, il a ressenti des douleurs et puis Est-ce que tu malheureusement, serais la même personne aujourd'hui si tu avais connu une on peut adolescence? pas savoir en fait, Ouais, tu on peux peut pas pas savoir. savoir. Après, c'est sûr que avoir mon père avec moi, ouais, ça allait changer pas mal de choses parce que déjà. Ben pour nous, la famille, c'est toujours bien d'être toujours ensemble, même si on l'est, mais il manque quelque chose en fait. Après, ben même pour ma mère, même financièrement, ce serait beaucoup plus facile. Il y a plein de choses où ce serait beaucoup plus facile. 04 84 80 69 deux fois, le numéro de téléphone fonctionne et plus que jamais, et c'est Lionel qui vient nous rejoindre. Bonsoir Lionel et bienvenue à toi. Bonsoir Bart, merci. Et bonsoir Wendy. Je t'en prie. Bonsoir. Salut Lionel, Bonsoir on écoute Lionel. ta question, Lionel. Alors moi, en fait, je voulais dire à tous les deux et à tout le monde que j'étais très touché par le témoignage de Wendy par rapport à comme elle parle de foot déjà, comme elle parle de sa famille, ce qu'elle a vécu, elle l'a dit avec beaucoup d'humilité et de dignité. Et on en a besoin dans cette période-là. Alors chapeau Wendy, mais vraiment chapeau. Pour être ce Merci. que tu es, aussi bien sur le terrain et en dehors du terrain. Vraiment, respect, Wendy. Respect. Merci, c'est gentil. Ah, ça fait plaisir, Et ça fait plaisir. On est naturel. oui, mais je vois que tu es naturel. C'est ça qui me fait plaisir chez toi. Et j'aime bien les gens naturels, moi. Et je pense pas que tu en doutes, on ne se connaît pas. Mais franchement, bravo, Wendy, bravo. Alors, je ne veux pas monopoliser l'antenne pendant un quart d'heure, sinon Bart, il va me tirer les oreilles. Quand je parle trop, il n'aime pas. Mais On alors, écoute ta j'avais une question, Lionel. question. Alors, c'est par rapport, il y a 2 saisons en arrière, je crois. C'est 2 saisons en arrière.
Nous, les supporters de l'OL, on a failli te perdre. Quand je dis on a failli te perdre, on a cru que tu allais être transféré en Angleterre. Je ne me rappelle plus du club, Ah. pardonne-moi, mais tu as failli partir en Angleterre, si je ne me trompe pas. Et ma question, C'est ça, pourquoi oui. tu étais à deux doigts de partir et pourquoi tu n'es pas parti? Parce que moi, je me suis dit, elle va partir parce qu'elle a fait le tour à l'OL. Elle a tout connu, elle a tout gagné, plusieurs fois même, plusieurs Ligues des Champions. Pourquoi tu es resté à Lyon? Qu'est-ce qui t'a fait rester à Lyon, Wendy, s'il te plaît? Parce que tout simplement, il y a un président qui souhaitait pas que je parte, en fait. Donc, c'est Donc, tu comme as fait ça. une Après, rallonge, c'est ce que moi, tu veux dire. t'as dit quoi? Tu as fait une rallonge, c'est ce que tu veux dire. Ben, en fait, ça fait, oui, forcément, ça fait partie, en fait. Il faut pas se le cacher, se raconter des conneries, ça fait partie. Mais j'ai toujours dit, ma priorité, c'était pas là. Et ma priorité, c'était le sportif. Et je suis à l'Olympique Lyonnais, je sais où je suis en fait. Et j'ai toujours dit que je ne vais pas partir pour partir parce que je suis dans le plus grand club aujourd'hui, féminin. Donc maintenant, oui, la question s'est posée et de voir ailleurs. Et c'est vrai que j'ai failli de signer en Angleterre. Ça ne s'est pas fait à la dernière minute parce que aussi sur de l'autre partie, il y a des choses où ils ne voulaient pas accepter, pas financièrement, mais il y a des choses où ils ne voulaient pas accepter. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est j'ai après le président, il a été au courant que j'avais déjà pris ma décision. Il m'a dit, bah non, voilà, tu pars pas. Et ça s'est fait comme ça, en fait. C'est tout. Mais que ce soit là ou l'autre côté, j'étais bien sur la rallonge. Hein. C'est pas question d'argent. Et j'ai toujours dit, en fait, j'avais rien. Je suis arrivé à 16 ans. J'ai beaucoup parce que je travaille et je me contente. En fait, je me contente de ce que Dieu me donne, en fait, parce que j'avais rien avant. Maintenant, pour aller chercher plus, il faut encore travailler, et c'est ça mon état d'esprit. Donc, voilà. Merci J'espère que Lionel pour ma... ta question. Mais de rien, Merci, Bart, Lionel. elle a raison, Wendy. Le travail, toujours confirmé. C'est ça, c'est ce que j'aime chez Wendy. Et vous avez un groupe qui a un état d'esprit formidable. Et avec une capitaine comme toi, c'est pas étonnant tout ça. Voilà. Ne Merci, c'est change rien, gentil. Wendy. Continue bien à l'OL. Et longtemps avec Gentil. nous, j'espère. Prenez soin de vous. À ça, on verra. Salut, salut, camarade Lionel, à très vite. Je vais revenir sur ce que tu viens de dire parce que je voulais l'évoquer, Wendy. La gamine qui arrive en France avec sa valise, elle est où aujourd'hui? Ben, elle est là encore. Il y a toujours cette partie en moi, en fait. De toute façon, tu peux pas changer. Après, tu évolues, tu prends l'expérience, en maturité, parce que Est-ce tu que tu as côtoies dépassé des... tes rêves? Est-ce que ça a été au-delà de ce que tu imaginais? Ah Ou est-ce que oui, tu étais ouais. fabriqué quand même pour en arriver là? En fait, faut être quand même assez, on va dire, un peu... Enfin, faut avoir un objectif quand même en tête, en fait, pour pouvoir en arriver là. Maintenant, tu côtoies des gens qui te font te surpasser au quotidien, en fait. Et forcément, j'aurais jamais dit que 10 ans ou 13 ans après, dans mon palmarès, j'aurais remporté tout ça de trophées. Ça, c'est dire que je partais de la Martinique pour ça. Non, je partais pour porter le maillot bleu, pour réussir en métropole. Mais aujourd'hui, ouais, c'est beau, mais je l'ai dit, j'ai pas fini. Donc, et d'année en année, t'as envie toujours d'y goûter. Donc ouais, il y a ça en moi, en fait. Maintenant, c'est en moi et ça le restera jusqu'à la fin de ma carrière. C'est quoi le prochain rêve? Ah ben, titre avec mon pays, c'est je cours après depuis très longtemps. J'étais petite, j'ai rêvé de Coupe du Monde. À 98, j'étais sous ma petite chaise avec mon papa à côté et ma mère en train de regarder la finale. Et j'ai dit, ouais, je veux remporter ce trophée, même si le trophée est différent. Mais une Coupe du Monde avec son pays, c'est magnifique, en fait. Tu peux pas rêver mieux. Pour moi, c'est l'apothéose. C'est la Champions League en club, en fait. C'est le plus beau des titres. Et avec son pays, ben, c'est la Coupe du Monde pour moi. Allez, on va terminer cette émission avec une petite interview confinement. Le concept est Yes. simple, je te pose des questions, on fait un petit ping-pong comme ça.
Qu'as-tu appris sur toi? Pardon? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'as-tu appris sur toi depuis le confinement? Je sais pas, plein de choses. Je pense en cuisine, capable de faire des choses qu'on ne fait pas quand on a le flou tous les jours et qu'on prend le temps. En fait, après, tu apprends encore plus ta générosité, des choses simples de la vie, tout simplement. Les valeurs de la vie qui sont simples et tu redécouvres tout ça, en fait. Que vois-tu de ta fenêtre depuis le confinement? Des arbres. Des arbres des arbres. Des arbres, c'est bien. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis le confinement? Ah, l'équipe, la team. La team, le foot, les matchs, la compète. Transpirer, tu sors d'un match, waouh. La victoire, le partage avec les supporters, il y a plein de choses en fait. Le club. Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais plus depuis le confinement? Qu'est-ce que je fais que je ne faisais plus? Je ne sais pas, la télé, ouais, peut-être. Regarder les séries, les films. Je ne faisais pas ça, en fait. Tu ne consommes pas beaucoup de séries et pas beaucoup de films habituellement? Ben si, mais plutôt en déplacement en fait. Chez moi, je ne regarde pas de séries ni de films. Plutôt en déplacement et ma télé, c'était plutôt sport. Et comme il n'y en a plus à la télé, donc on est obligé de se rabattre sur les infos et les films et les séries. Merci beaucoup Wendy d'avoir été notre invité. Merci à toi. C'est gentil, merci. On se retrouve très vite, je l'espère, autour d'un verre. Tu vois, ce sera plus simple. Ah oui, bah ouais. Ouais, t'inquiète, on va garder la distance de sécurité, mais c'est bien. T'as raison. On se retrouve demain soir. Merci encore, Wendy. On se retrouve soir avec Karim Benzema comme invité. Vous pouvez dès maintenant envisager de lui poser une question en composant le 04 84 80 69 deux fois. Rencard demain soir, c'est un événement avec Karim Benzema. C'est sur OL TV que ça se passe et nulle part ailleurs. Merci encore à lui. On va passer demain une demi-heure. Et n'oubliez jamais. Pardon ? Et n'oubliez jamais. Ah, tu veux le faire à ma place? Non, mais vas-y, fais-le. Non, fais-le, moi j'ai l'habitude. N'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. À bientôt, les amis.